Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face la jeunesse congolaise, nos moments d'échange et de partage avec nos experts et nos invités dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma merveilleuse et belle équipe, même si aujourd'hui elle est incomplète. Bonsoir Prisca. Bonsoir Prunelle, comment tu vas? Oui, ça va très bien et toi, comment tu vas? Ça va très bien, très bien. Merci. Comment était la semaine? Quoi de neuf? Aujourd'hui, Gracias n'est pas là. Donc, tout est sur ta charge. Aujourd'hui, Gracias n'est pas là, évidemment. Cette semaine était très bien, avec un début de pluie. Oui, oui. Enfin, on revient à la saison chaleureuse. Ah oui, tu as bien dit chaleureuse. Bonjour le soleil, bonjour Madame la pluie. Ça ne sera pas évident. Mais bon, pas du tout. On est habitué. J'espère qu'on aura moins d'inondations cette année. Enfin, cette saison qui commence, parce qu'on est toujours en 2024. Mmh. Alors, quoi de neuf? Comment était ta semaine? Qu'est-ce que tu me rapportes de beau, de bon? Alors, pour ce matin, j'ai pour vous une information, mais qu'on le sait, mais depuis après 40 ans quand même, 40 années sans avoir de carte d'identité pour tout le pays. Et maintenant, 7 ans déjà, sans avoir accès au permis de conduire. Le nouveau ministre de Transport, nommé Jean-Pierre Bemba, a décidé, a lancé le processus et a annoncé que d'ici décembre 2024 seront disponibles des permis de conduire pour la population. Ok, ouais, intéressant. Parce que franchement, jusque-là, comme j'ai dit, près de 7 ans sans permis de conduire, vous imaginez que même le chauffeur du président n'a pas de permis. N'a pas de permis, tous délinquants. Hein. Du chauffeur du président au dernier chauffeur de bus, personne n'est en règle. Donc, il serait vraiment temps. Ça sera pour tout le monde, même les motards? Oui, ça sera pour tout le monde, évidemment, même des motards des plaques d'identification aussi. Parce qu'il faut bien savoir recenser tous les chauffeurs qui sont sur la route et pouvoir les délivrer aussi, comment on appelle, une assurance. Vous savez que jusqu'à ce jour, il y aura une formation pour ça. Enfin, je sais que, par exemple, pour avoir un permis, il faut passer par un test. Est-ce qu'il y aura ça? Parce que franchement, je pense qu'on en a besoin à Kinshasa, vu comment les chauffeurs conduisent, roulent. Donc, est-ce qu'il y aura un test? Comment ça va se passer? Oui, évidemment, ça sera fait dans les réglementations. Mais le problème ici est plutôt à quelle entreprise la délivrance de ces permis d'identité biométrique sera donnée. Parce que jusque-là, le ministre des Transports a-tu le nom de l'entreprise avec laquelle ils ont signé, qui va travailler pour la délivrance de ces permis et qui pense, même nous, on n'y a pas droit, donc enfin, on sera identifié et pourront avoir moins de tracasseries avec nos agents de circulation. Ouais, ça c'est vrai. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle, hein. Donc, très bientôt, on aura des permis de conduire. Carte et aussi carte d'identité. Ah, ça va. Au moins, c'est pas carte d'électeur, mais carte d'identité. Non, carte d'identité. Donc, Ato Bungi, si carte d'électeur, ta carte d'identité, c'est bon. Et je pense que ça peut t'aider de partir partout, de sortir avec ça, évidemment, partout au monde. Donc, au cas où on te demande, mais c'est une bonne chose. Mm-hmm. Bah, c'est très bien, le ministre de Transport. Oui. Ça permet de recenser aussi la population. Ouais, de s'identifier, d'avoir les cartes d'identité quand le moment sera venu. Mm-hmm. Comme ça évite toutes les tracasseries possibles. Alors, moi, de mon côté, je pense que vous avez tous dû apprendre cette nouvelle. Vers la commune de Makala, il y a eu un peu ce petit mouvement, qui est assez triste d'ailleurs. Ce n'est pas très bonne nouvelle, mais c'est juste, si j'en parle, c'est pour conscientiser les gens, la population, nos chers téléspectateurs. Voilà, il y a eu, je crois que c'était quoi, lundi, mardi? Je pense, au début de la semaine. Début de la semaine, en tout cas. Il y a eu de coups de feu vers, enfin pas vers, mais dans la prison centrale de Makala et tout. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On va éviter les spéculations et tout. Mais on sait que certains prisonniers ont voulu s'évader et ensuite... la police ou les militaires se sont mêlés. Il y a eu des tirs en tout cas et des morts. Jusque-là, il n'y a pas vraiment des chiffres. Enfin, chacun donne son chiffre. Mm-hmm. On ne sait pas encore. Les gouvernements n'ont pas vraiment dit quelque chose là-dessus jusque-là. Mais on sait qu'il y a des morts, vu qu'il y a eu des camions qui passaient avec plusieurs corps et tout, d'après certains témoignages.
Et aussi, de ce côté-là, de la ville de Kinshasa, il y a maintenant une sorte d'insécurité. Oui. Il y a des patrouilles qui passent, donc on arrête des jeunes. Mm-hmm. Si on te sent déjà suspect, on t'arrête. Donc pour ces jeunes, évitez de traîner tard le soir, parce qu'on peut penser que vous êtes un délinquant, alors que vous êtes juste un enfant normal qui rentrait. Donc faites très attention. Mm-hmm. Et je pense qu'ils font maintenant le tour dans des camps, essayer de voir si certains prisonniers peuvent récupérer. Donc il ne faut pas qu'on vous confonde, donc rentrez dans une aire raisonnable, éviter d'être dans des groupes, dans des regroupements et tout, parce que la police, voilà, notre police est assez particulière. Donc, il ne faut pas vous retrouver dans une situation, parce que moi, je connais plein de personnes comme ça, ils sont allés en prison juste parce qu'ils étaient dans un regroupement, juste parce qu'ils n'étaient pas au bon moment, au bon endroit. Mais justement, je pense que l'effort doit se faire dans ce sens-là, parce que premièrement, il faut renforcer la sécurité dans la prison centrale de Makala déjà, mais ensuite il faut savoir, il faut qu'on sache faire le tri, parce que énormément de personnes sont là qui n'ont pas en vrai commis des délits, ils n'ont pas commis de délits, ils ont été arrêtés comme tu le dis dans la rue ou très tard le soir, ou simplement, il y en a même d'autres simplement parce qu'ils avaient des tresses assez particulières et même des délits qui méritent même pas d'aller. Je pense que la prison c'est une prison centrale, donc il y a des souciates mais aussi des prisons, donc il faut vraiment commettre un grand délit ou un crime pour aller là-bas. Moi je me souviens quand le ministre de la justice était allé, il y a des personnes juste parce qu'il avait volé un téléphone qu'on a même payé. Donc je pense que ça, c'est un délit qu'on peut régler. Entre le voleur et la personne, ça dit, voilà, on te punit peut-être, mais ça ne mérite pas d'aller en prison. Ça ne mérite pas le transfert dans la prison centrale de Makala aujourd'hui, déjà. Aujourd'hui, quelqu'un a l'argent au Sali Mabé, à Foutimbongo, et tu pars en prison. Et tu pars en prison. Et ça aussi, je pense que la justice doit faire aussi son travail, parce qu'il y a des cas où même quand on arrive dans des petites polices, comment on appelle ça? Il y a un terme pour ça, nos petits souciates là et tout. Quand on ramène quelqu'un, regardez le cas. On ne peut pas ramener quelqu'un à la prison Makala comme ça, déjà sans être jugé. Est-ce qu'il mérite? Voilà pourquoi il y a un juge qui va dire, ok, il va aller soit à la prison Makala, soit si c'est très grave, il y a plusieurs grandes prisons, ou des grands criminels. Mais ici, il suffit juste que, tu as fait un délit, mouyibi, bazuyo, allez. Mais aussi quand les personnes restent là dans les soucis, comme tu dis, il y a des voitures qui passent tous les week-ends, ramasser toutes les personnes qui sont en détention provisoire, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas encore ouvert leur cas. Exactement. Ça ramasse sans raison toutes les personnes en détention provisoire, donc direction la prison. Voilà pourquoi. J'étais là au mauvais moment, c'est fini. Malheureusement, voilà pourquoi beaucoup de personnes se retrouvent là et sans avoir, sans qu'il y ait un casier qui, qui a été ouvert et un suivi par rapport à leur délit. C'est vraiment très dommage. Donc, le temps que notre police puisse avoir des règles bien précises, qu'on sache vraiment, et que le ministre de la Justice et de la Défense s'organise, pendant ce temps, nous prenons nos précautions. Ok, éviter vraiment juste la prison. Voilà, je pense que on est tous imparfaits, il y a tellement de choses qui peuvent énerver, mais c'est mieux d'éviter d'aller en prison, c'est mieux de ne pas se retrouver dans des situations très compliquées qui vont t'emmener à arriver là, ensuite te retrouver à Makala comme beaucoup, certains qui sont innocents, des jeunes, et parmi même ces personnes qui ont été tuées, il y a énormément d'innocents, donc voilà, c'est dommage, mais c'est ça, et désolé à ces familles qui ont perdu sûrement des êtres, qui étaient en prison et qui espéraient revoir, sortir, donc de cœur avec vous. Alors, on va débuter l'émission. Je pense que c'est tout avec les actualités, les réalités. Comme toujours, nous débutons notre émission avec la citation du jour. Mais aujourd'hui, ça ne sera pas dit par Gracias, mais Prisca Kapinga. Juste après, nous allons vous présenter notre invité du jour. Et par la suite, nous allons passer à la table ronde, notre moment préféré d'échange et de partage, pour chuter le conseil du jour. Prisca, la citation, s'il te plaît. Quel honneur. Quel honneur aujourd'hui de pouvoir dire la citation. Exactement. Alors, cette citation nous vient aujourd'hui d'un auteur anonyme qui dit... Un guide ne vous montre pas seulement le chemin, il vous apprend à le parcourir. Donc, un guide ne vous montre pas seulement le chemin, mais vous l'apprend à le parcourir. Parce que, comme, je vais prendre un tout petit exemple, comme un enfant qui apprend à marcher, s'il apprend à marcher, et si même l'envie lui naît de marcher, c'est parce qu'il voit devant lui des personnes qui se tiennent debout. Et une fois qu'il essaie de faire le pas, le guide, le parent... est là pour le soutenir, l'aider à se tenir debout et l'accompagner dans la marche qu'il apprend. Voilà. Donc,
Voilà pour la citation du jour. Qu'est-ce que tu en penses, Prunelle? Non, mais c'est bien, c'est vrai. Hein. On a tous besoin d'un guide, je pense. C'est vrai que aujourd'hui, peu importe les niveaux d'intelligence ou de sagesse qu'on a, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui nous oriente. Oui. Voilà. Parce qu'en tant qu'humain, on peut toujours avoir des moments de faiblesse, ceci, cela. Et surtout, le côté professionnel, on a besoin d'expérience, dont on a besoin d'être guidé. Par exemple, si tu es nouveau dans les secteurs, tu as besoin de quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui est un expert pour te guider, t'accompagner. Ça ne veut pas dire que tu es bête ou tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas d'expérience, mais c'est juste que cet expert peut voir là où il y a des failles ou peut te donner des conseils qui peuvent... Par exemple, dans le cadre du business, t'aider à croître tes chiffres d'affaires, quel marché utiliser, quel contrat prendre ou pas, les risques du marché, tout ce qui va avec. Et je pense qu'on en a tous besoin, même dans la vie personnelle. Oui, oui. Voilà. Et d'ailleurs, la preuve, on dit même dans la Bible que Dieu est notre guide. Voilà. On laisse Dieu guider aujourd'hui, notre vie. On a besoin de guides dans tous les aspects. Dans tous les aspects de notre vie. Hein. De guides spirituels, le guide professionnel, tout un ordre, vraiment, même comme Prunelle le dit, même que les spirituels, on a notre guide, celui qui nous a montré notre le chemin, c'est Jésus, le Christ qui nous a montré le chemin pour arriver vers Dieu, mais aussi on a nos enseignants à l'école qui ont été nos guides dans les études, dans les la compréhension parents. Des leçons, les parents qui sont pratiquement des guides de vie. La vie oui, même si en dehors on peut avoir besoin quand même d'un coach de vie pour manifester bien plus que ce qu'on a appris dans le cocon familial. Donc il est important d'avoir des repères, des repères dans tous les domaines de notre vie. C'est très important parce qu'un repère t'aide à tenir debout, un repère t'aide à ne pas perdre la vision, parce qu'il peut arriver que quand tu fais face à plusieurs difficultés, tu peux te décourager ou tu peux perdre de vue ce que tu t'étais dit d'accomplir. Mais lorsque tu as un guide devant toi, lorsque tu as un repère, quelqu'un qui te tient par la main et qui t'aide à avancer, tu atteindras le but. Très important. C'est vrai. Merci Prisca pour cette citation. Tu as très bien remplacé Gracias. Hein? Ravi. Alors, comme je l'ai dit au début, nous avons un invité. Nous avons avec nous un monsieur. Alors, bonsoir, monsieur Donnel. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va bien, merci. Oui, ça va. Merci de nous honorer de votre présence dans ces plateaux aujourd'hui. Voilà. Alors, qui est monsieur Donnel? Je vais le présenter comme toujours, comme je présente mes invités. Alors, monsieur Donnel Ndekila Moupé. Si je prononce mal, tu me corriges. Alors, monsieur Donnel est conférencier et business coach. Surtout la partie business coach va nous intéresser aujourd'hui. Alors, il est consultant projet, agro-business et entrepreneuriat. En agro-business et entrepreneuriat, voilà. Coordonnateur provincial Kinshasa de la FNEJEC, Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, c'est ça? Alors, président ADIM ONG, Association pour le développement intégral de la mère et de l'enfant, et des enfants, voilà. Et directeur général de Dream Field, qui va nous expliquer. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, en quelques mots, si le public doit prendre connaissance de vous, faire connaissance avec vous. Je pense que vous avez presque tout dit. Alors, je suis... je suis membre de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, la FNJEC. C'est une structure d'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui existe depuis 10 ans. Dreamfield. Dreamfield, c'est une entreprise agropastorale. Et lorsqu'on parle de l'agropastorale, déjà, on veut dire qu'on est dans les activités qui concernent l'agriculture et l'élevage. Donc voilà. D'accord. Merci. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est le business coach pour les entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, on va faire du coaching dans notre émission, une sorte de masterclass. Et on a avec nous un coach en business, voilà, qui va nous donner quelques conseils à nous, entrepreneurs, jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs qui y sont depuis longtemps. Comme on l'a dit au début par Prisca, on a tous besoin d'un guide. Donc, un coach aussi comme un guide, voilà, qui nous guide, qui nous donne des conseils. Donc, aujourd'hui, on va aller dans l'entrepreneuriat et on va un peu bénéficier du conseil de notre coach, Donnel. Alors, pour commencer déjà, je pense qu'on va définir pour que certaines personnes comprennent, voilà, vu qu'on a un peu de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui comprend le terme business coach. Voilà, Prisca, je ne sais pas. C'est quoi un business coach?
si tu dois le définir. Après, oh, on aura l'avis de notre expert. Plus, hein, oui, évidemment. En tant que non-experte. Je peux dire qu'un business coach, c'est simplement une personne qui t'entraîne, qui t'apprend dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat, on va dire, parce que le business inclut plusieurs secteurs, notamment, comme lui l'a dit, dans le secteur de l'agroalimentaire et tout. Mais il y a énormément de secteurs, surtout dans l'entrepreneuriat, où tu peux aller dans tout et tout et tout. Alors, un business coach, c'est quelqu'un qui t'aide, par exemple, à établir un plan, à redimensionner un peu la vision ou tes idées, parce que parfois on a des idées qui fusent de partout, donc un business coach est là pour t'aider à les mettre en place, à les orienter et à produire en tout cas ce que tu as à l'esprit. Exactement. Moi, de mon côté, avant l'expert puisse parler, les quelques définitions que je trouvais sur Internet et que j'ai compris, je dirais qu'un business coach, c'est quelqu'un qui intervient dans la gestion d'une équipe, mais afin d'optimiser les management d'un dirigeant ou d'un chef d'équipe. Donc, il est là peut-être pour venir un peu structurer, arranger là où il y a un peu de défaut. Voilà, il leur apprend à mieux se développer, à mieux communiquer et à être plus organisé et pragmatique. Moi, de mon côté, je dirais ça. Je dirais plutôt que je vais vous appeler des coachs parce que vous avez déjà vous avez défini. Alors, c'est pas sorcier en fait le terme coaching ou business coach, etc. En fait, c'est tout simplement celui qui t'oriente, c'est lui qui t'accompagne, c'est lui qui recadre, c'est lui qui te permet en fait d'atteindre les objectifs fixés. Il a encore une idée en tête. Donc, il n'a pas encore élaboré. Il ne connaît même pas comment commencer par l'élaboration du business plan. Et là, vous intervenez dans la structuration du départ. Mais il y a ceux qui sont déjà en activité où vous intervenez aussi à l'organisation interne et à la gestion, ainsi que les stratégies à mettre en place pour arriver à atteindre ces objectifs-là. Et donc, ce n'est que ça. Ce n'est pas sorcier. Merci, coach. Hein? Comme je vous ai dit, on a avec nous un expert. Donc, Jonas va poser toutes les questions possibles pour vous aider à développer votre entreprise. Voilà. Sinon, coach Donnel, si vous permettez, je vais vous appeler comme ça aujourd'hui. C'est comme vous voulez. Alors, vous avez combien d'années d'expérience en tant que business coach? Ok. Ça fait combien de temps que vous évoluez dans ce domaine-là? Moi, j'ai commencé en 2018. Juste après, après avoir obtenu d'abord cette expertise-là, parce qu'il faudra commencer quelque part. Moi, j'ai d'abord un cursus qui me permet de faire ça. J'ai quand même obtenu une licence en finance internationale et marché financier. Ensuite, j'ai fait un MBA en management de projet spécialité entrepreneuriat. Ça m'a permis aussi de faire une formation de formateur en entrepreneuriat. C'est ensuite que je commençais maintenant avec des petits projets, avec des jeunes qui n'ont encore rien. Moi-même aussi, j'ai commencé avec mon entreprise pour voir aussi des erreurs que je peux commettre. Et là, on évolue petit à petit et les résultats sont quand même palpables. Donc, c'est comme ça qu'on devient coach et qu'on a de l'expérience, si je comprends bien. Exactement, parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas d'école d'expérience. L'école d'expérience, c'est les erreurs que vous commettez chaque jour. Fallait commencer quelque part. Et moi, j'ai commencé quelque part. Déjà, au-delà de cela, il fallait avoir un background. Il fallait avoir un cursus qui te permet de les faire. Parce qu'on ne se bombarde pas coach. Il faudra avoir au moins la matière. Donc, voilà. Mais qui, si je peux me permettre, qui vous a inspiré pour devenir aujourd'hui business coach ou bien qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter sur cette voie-là? Ok, l'inspiration en termes de business coach, je dirais que c'est d'abord une passion. Moi, j'ai constaté dès mon jeune âge que j'avais les leaderships en moi. Et tout le temps, dans des quartiers où moi j'habitais, j'arrivais toujours à rassembler les autres et j'étais comme un guide. J'ai donné toujours... Et on va faire ça et les amis suivaient. Alors, le fait de faire ça, je me dis, en quoi est-ce que moi, je veux me spécialiser dans l'entrepreneuriat? Alors, qu'est-ce que je peux apporter aux jeunes? Voilà. Alors, je me suis dit, il y a quand même pas mal d'erreurs que nous commettons parce que nous n'avons pas de repères. Vous savez, si vous n'avez pas de repères, soyez les repères. Très bien dit. On retient ça. Si vous n'êtes pas... Si vous n'avez pas de repères, soyez des repères pour ceux qui viennent. Ah, ça, c'est vrai. Merci. C'est bon parce qu'elle a répondu à ta question. Alors, quels sont les principaux domaines dans lesquels vous aidez les entrepreneurs à réussir? Est-ce qu'il y a un domaine précis où tous les domaines sont... Dans tous les domaines, on peut trouver une réussite? Ok. Déjà, je venais de le dire que l'entrepreneuriat est vaste.
C'est comme vous êtes dans un champ et tout, vous trouvez pas mal de cultures. Souffrez que je vous parle plus de mon secteur. Pas de souci. Alors, vous avez de business coach qui intervient dans tous les secteurs, mais il faudra avoir une spécialité. Oui, toujours. Parce qu'on ne va pas se mentir. À supposer que vous êtes un artiste, vous touchez à tout, vous jouez à tous les instruments. Mais vous êtes là, un jour vous êtes à la batterie, comme ça on vous ramène Sebondo et machine. Vous devez laisser la place à Sebondo, n'est-ce pas? Vous allez jouer, je ne sais pas moi, Tam Tam ou quoi, on vous met Ali Mbonda. Vous allez vous déplacer parce qu'il a un nom. Alors si tous ces grands-là venaient et que vous n'avez pas d'expertise, vous ne servirez à rien. Okay. Donc je suis business coach, c'est vrai, mais je suis expert en agrobusiness. Pourquoi expert en agrobusiness? J'ai profité en même temps d'une formation de la FAO au niveau de la Tunisie en 2017. Ouais, en termes de management des organisations en agroalimentaire. Ça m'a permis maintenant de me concentrer dans ce que je fais, l'accompagnement des entrepreneurs en agrobusiness. Mais je peux accompagner dans n'importe quel projet. Alors, on intervient à quel niveau? Je vous ai dit qu'il y a ceux qui sont à la phase d'idéation. Il y a certains entrepreneurs, ils n'ont que des idées. Alors, il faudra commencer par lui dire, toi, ce que tu as besoin, c'est de définir d'abord ta cible. Parce que si l'on ne connaît pas à qui est-ce que je vais vendre les produits, comment je vais créer mon entreprise. Et les phases de la création d'une entreprise dépendent de l'étude de marché que vous faites au départ. Il y a des techniques qu'on met en place pour les entrepreneurs pour qu'ils arrivent à mener cette étude de marché. Et dans cette étude de marché, il y a deux phases. Il y a ceux qui vont déjà commencer par identifier le besoin qu'il y a dans, sur le marché et c'est quoi la solution qu'ils vont ramener. Parce qu'en fait, un entrepreneur, il vient solutionner à un problème. Lorsque vous constatez qu'il y a un souci, vous venez apporter une solution. Et cette solution doit être bien définie. Lorsque vous ciblez la personne, vous ramenez votre solution, comment vous allez l'appliquer? Et dans cette application, vous avez l'étude qu'on appelle l'étude, les techniques de l'étude SWOT, c'est-à-dire les techniques qui vous permettent de savoir c'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles et quelles sont les opportunités qu'il y a sur le marché et qui me menacent, c'est-à-dire identification des concurrents. Je vais savoir qui m'entoure, quel est cet environnement micro et macroéconomique que je fais face à moi. Et tout ça, là, il faudra aider l'entrepreneur à le définir. Ensuite, en dernier lieu, nous avions cette technique des SMART. Je viens spécifier mes objectifs. Smart, ça veut dire, c'est pas le smartphone. Il faut préciser. Voilà. Les smart a une définition. Lorsqu'on parle d'un S qui est spécifique, on parle de mesurable, atteignable, réalisable dans les temps. Vous avez un objectif qui doit être mesuré, qui doit être d'abord spécifique, qui doit être mesuré, auquel vous devez savoir, est-ce que je dois le réaliser? Est-ce que je peux le réaliser? Parce qu'on peut créer un business pour une finalité, pour un autre business. Si je me rends compte, je suis chez Congo Buzz, n'est-ce pas? Nous tous, nous avions commencé à suivre Congo Buzz sur YouTube. Il y avait une finalité qui était la chaîne. Alors, il y a un business que vous avez créé aujourd'hui pour une finalité demain. Et ça aussi, c'est des stratégies entrepreneuriales qu'on arrive à apporter aux entrepreneurs. Là, c'est pour les entrepreneurs qui n'ont pas encore débuté. Ah, d'accord. Mais si je trouve déjà un entrepreneur qui est déjà en phase d'exécution, il est actif sur le terrain, là, on part dans l'organisation interne, la comptabilité. On va voir d'abord les ressources financières, les ressources humaines et les ressources matérielles. Il faudra voir, est-ce qu'il y a une concordance entre les trois fonctions de l'entreprise? Parce qu'il y a certains entrepreneurs qui confondent la gestion de leurs ressources financières personnelles et les ressources de l'entreprise. Il y a d'autres qui confondent les relations personnelles ou amicales et les relations professionnelles. Ça aussi, il faudra les dire, non, vous pouvez travailler avec votre chérie, mais voilà la stratégie qu'il faut mettre en place. Vous pouvez travailler avec votre frère ou sœur, voilà ce qu'il faut mettre en place. Donc voilà un peu les étapes de coaching qu'il faut pour chaque entrepreneur pour que vous arriviez à réussir. Et donc c'est comme si je me référais à votre la citation que vous avez, voilà, du jour. C'est qu'on ne guide pas une personne en lui disant « vas-y, faire ça », on l'accompagne jusqu'à la réalisation. Donc voilà. Merci, coach. Alors, comment vous définirez, d'après vous, le succès pour vos clients entrepreneurs? La définition même du succès, parce que tout le monde, quand on entreprend, on veut réussir. Maintenant, c'est quoi même la clé, si on va dire la clé du succès dans l'entrepreneuriat, selon vous? Moi, déjà, j'ai défini les succès de façon très différente. C'est vraiment personnel. Merci. Pour moi, je me dis, vous imaginez que j'ai toujours rêvé d'avoir un bac plus 5 et que vous arrivez à atteindre le bac plus 5.
n'est-ce pas, c'est le succès. Oui, c'est le succès. Voilà. Dans, alors, le succès personnel, c'est refaire sur base des objectifs que vous vous êtes fixés au départ. Quel chiffre d'affaires que je vais atteindre? Parce qu'en fait, dans le mentorat ou dans le coaching, on écoute, on a ce qu'on appelle l'écoute active. J'écoute minutieusement ce que l'entrepreneur ou partie prenante ou mon mentoré a besoin. Ensuite, moi, c'est que j'ai la porte. On va voir si les résultats sont atteignables. Donc, dans le SMART que je vous ai dit, c'est là qu'on est dans la phase où en management, on parle des planifications, organisation, direction et contrôle. Ce que j'ai planifié, à la fin, il faudra que je puisse l'évaluer. Oui. Donc, je vais évaluer quoi? Je vais évaluer les résultats de ce qu'on a planifié au départ. C'est là qu'on peut dire que vous êtes devenu un entrepreneur à succès. Il y a ceux qui font des chiffres d'affaires, mais ils ne savent pas gérer les ressources humaines. Vous réalisez, par exemple, un chiffre d'affaires de 1 000 $, mais vous engagez 10 personnes. C'est une charge de plus. Alors là, il faudra l'orienter. Parce qu'il y a plusieurs qui commettent ces erreurs. Parce qu'on a trop envie de créer l'emploi. On se dit, je vais donner l'emploi à mes amis et tout ça. Là, vous commettez des erreurs. Il faudra aller mollo. Donc, je vais définir les succès de cette façon-là. C'est qu'on planifie. Est-ce qu'on les a atteints ou pas? Si on n'atteint pas, qu'est-ce qui a fait qu'on ne puisse pas l'atteindre? Donc voilà un peu comment on peut procéder. Ah, très bien. Prisca? Non, très bien. C'est bien, bien dit, pensé, pas de questions jusque-là. Non, pas de questions jusque-là. Alors, moi, je vais continuer avec mes séries de questions. Allez-y. Voilà, je fais l'intermédiaire de nos chers téléspectateurs. J'ai reçu des questions en coulisses, donc je vous le pose. Okay. Alors, quelle est votre approche pour aider les entrepreneurs à surmonter les obstacles et les défis? Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est beau l'entrepreneuriat. Ouais. On a tous envie, même, je pense que nous tous, on a déjà essayé, même moi, là, j'avais, il y a un ou deux ans, je crois que je suis toujours dans ça, mais il y a beaucoup de défis, surtout en RDC où le marché de l'emploi est compliqué, même avoir le marché tout court, c'est pas évident. On a l'impression que tout le monde fait la même chose, tout ce qui va avec. Alors, comment surmonter les obstacles et les défis? Quelle approche vous avez pour aider vos clients qui sont entrepreneurs? D'abord, il y a des principes de vie qui sont clairs. Pour moi qui est chrétien, j'ai aussi des principes que je suis. Dieu m'a promis que je vais réussir, mais il ne m'a jamais dit que je ne rencontrerai pas des embûches. Il y aura toujours des épreuves, mais il faudra savoir surmonter. Le premier secret, c'est que si vous faites ce qui vous passionne, vous aurez le courage de recommencer plusieurs fois. Mais si vous faites quelque chose juste parce que vous avez besoin d'argent, au bout d'un moment, vous allez arrêter. Il y a ceux qui font ce qu'ils aiment, il y a ceux qui font, qui aiment ce qu'ils font. Je commence à aimer ce que je fais parce que ça me procure. Mais moi, je fais par exemple ce qui me passionne. Alors là, même si ça arrivait, je vais toujours surmonter. Même si on voilà, échoue, on trébuche. En fait, en réalité, ce n'est pas de l'échec. En réalité, c'est des résultats négatifs. Parce que l'échec, c'est lorsque vous abandonnez. Lorsqu'on a un résultat négatif, là, on se permet quand même de se dire, il faudra rectifier les tirs. Mais alors, voilà dans cette approche comment on procède. Face à un entrepreneur, c'est que je lui dis, vous devez connaître deux choses. Ce qu'on appelle les climats des affaires et la conjoncture économique. Oui, toujours. Est-ce que vous arrivez à analyser ça au départ? Parce qu'il y a l'étude environnementale qu'on fait au départ. Il y a ces projets, lorsque vous regardez, vous savez déjà que là, on va échouer. C'est déjà évident. Déjà évident. Parce qu'il y a ces entrepreneurs qui ne veulent pas commencer petit. Donc, il y a certains marchés, il faudra commencer mollo, vous injecter un peu, vous observer, vous avancer. Donc, si je comprends bien, il ne faut pas toujours... Enfin, dans ce cas, on fait des projets, il ne faut pas directement vouloir monter d'un coup. Pas mais du tout. Il faut aller petit à petit. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut devenir CEO. Ah, tout le monde veut. Alors ça, que problème. Il y a aussi un truc que je déploie sans vous couper. En fait, les jeunes ne veulent pas vraiment travailler en équipe. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur... Il y a des projets où il faut travailler ensemble, c'est-à-dire j'ai des idées, tu as des idées, on fait un mélange, on crée quelque chose. Voilà. On a même les cas aujourd'hui de Facebook qui est quelque chose de grand, mais c'est un travail d'une équipe, de plusieurs personnes. Donc aujourd'hui aussi, les gens ne veulent pas travailler en équipe, tout le monde veut être patron, alors que chacun peut mettre de son mieux. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez pourquoi on arrive à ces points-là? Nous avions un souci en RDC, je parle vraiment de mon pays, c'est que tout le monde veut qu'on parle de lui, mais on ne veut pas créer des marques. J'ai toujours donné cet exemple. Vous savez, si vous arrivez dans des milliers, par exemple, on peut appeler avec un nom pirma congolais, on dit milliers reculés. Vous arrivez dans un coin, on dit « Yaya, que nous sommes l'abisso Pepsodan, que nous sommes l'abisso Gillette ». Vous savez que Gillette est une marque. Oui, vous savez que Pepsodan, c'est une marque. On ne connaît même pas les propriétaires.
On peut vous montrer la bouteille de Coca-Cola sans pour autant qu'on écrive Coca-Cola, vous savez que c'est Coca. C'est qu'il y a une force d'attraction marketing que ces gens-là ont utilisée et que c'est lui qui a créé un iPhone, on n'a pas besoin de connaître son nom. Lui, son souci, c'est d'avoir le chiffre d'affaires. Nous, c'est les Matalana. On veut à tout prix qu'on parle de Donel Ndeki là. On aime bien paraître. On n'essaie pas, on n'essaie pas à reculer pour donner la place aux autres. On ne sait pas s'associer. On a moins de sociétés, on a plus d'entreprises. D'autant plus qu'il y a une différence. Il y a l'entreprise, c'est dirigée par une personne qu'on peut appeler entrepreneur. Mais une société, c'est entre deux ou plusieurs personnes. Ou soit vous-même aussi, vous pouvez être votre propre associé. Personne physique et personne morale. Alors là, si on n'arrive pas à être humble déjà dans ces secteurs, ça ne nous permettra pas d'avancer. On ne veut pas créer des marques, on veut créer des noms. On veut qu'on parle de nous. Là, on ne sera jamais humble. Si vous ne connaissez pas le climat des affaires de la RDC, vous échouez au préalable. Je vais évoquer un cas. Tel que nous sommes là, nous avions une concurrence face aux expatriés. Nous ne sommes pas contre eux. Mais il y a une loi qui dit clairement que le petit commerce est une exclusivité pour les autochtones. Mais aujourd'hui, nous voyons des Libanais, des Égyptiens qui viennent dans nos maisons nous vendre et nous donner même à crédit. Des histoires, non, Bozobanzungu, oyo et tout ça là. Ça, c'est un danger pour nous, les entrepreneurs qui investissons dans ces secteurs. Comment nous allons fournir des produits que nous prenons auprès de ces mêmes fournisseurs qui vendent aussi en détail? Et puis, ça nous étouffe. Ils ont des bonnes techniques, hein. Les gens même préfèrent acheter chez eux que d'acheter chez nos propres. Mais vous savez pourquoi? J'ai mon produit. Je suis fournisseur, je suis expatrié. Je viens dans votre pays, je vous vends. Je vois Madame Prisca, j'ai dit ça c'est 1000 francs congolais. Et vous êtes revendeur. Vous arrivez sur le terrain, vous ne devez pas les vendre à 1000 francs, n'est-ce pas? Vous devez rajouter ce qu'on appelle les frais accessoires d'achat pour que ça comble un peu, vous ayez un peu de bénéfice. Lorsque vous venez vendre à Madame Prunel et qu'elle voit les prix chez vous, c'est 1200. Si elle revient chez moi, je lui dis à 1000 francs. D'office, elle ne vient elle plus chez vous. Elle va venir chez moi. Alors que si moi, je garde mon côté fournisseur, et que vous, vous restez détaillant, je vous permets, moi je me permets de gagner, je vous permets de gagner, elle aussi elle exécute. Donc c'est comme ça que si vous ne connaissez pas les climats des affaires, vous perdez. Vous perdez directement. Donc tout ça là, c'est des techniques qu'il faut apprendre. Aujourd'hui, les entrepreneurs se victimisent beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Parce qu'on est devenus des entreparleurs, on est tout le temps dans des conférences, en train de parler, parler, on ne veut pas connaître des réalités. Mais je pense qu'on est trop dans la théorie. De nos jours, hein. Il y a moins de pratiques, même nos études, même c'est théorique. Voilà, c'est vrai. Moi, c'est dommage, je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'une fois, on a parlé de ça, l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. Et on s'est dit aujourd'hui, les études, c'est beau, c'est bien. Je ne condamne pas les gens qui étudient, qui font des longues études. C'est une très bonne chose. Sauf que je pense que l'entrepreneuriat devait s'apprendre dès les secondaires, qui est une option. Pour les personnes, parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'intelligence de vouloir aller. Bon, pas l'intelligence, mais ce n'est pas tout le monde qui a la capacité. Pas tout le monde qui doit entreprendre. De, voilà, d'aller à l'université. Il y a des personnes, comme on dit, Maïl est à classe T, mais Maïl la vie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, tu vas lui mettre dans le jeu, il a la facilité d'être dans le commerce. On voit ça même avec les Libanais. Ce que j'ai appris même avec les Libanais, eux, de les bas âges, on les apprend à être des commerçants. Voilà. C'est des gens, tu verras, ils sont jeunes là, on les revoit, jeunes, 20 ans, mais il est déjà dans le commerce. Et peut-être pas que, même des Chinois. Voilà. Moi, je pense qu'on devrait aussi vraiment mettre ça dans des programmes éducatifs pour ces jeunes qui, c'est pas tout le monde qui a envie de faire des longues études, mais il y a des gens qui ont envie de s'habiller. Business na bango. Et il y a des personnes qui ont vraiment ce don là naturellement. Moi j'ai par exemple une cousine, elle, désolée, mais elle dit les études c'est pas fait pour moi parce qu'elle le sait, elle voit, elle connaît sa capacité. Mais elle est forte dans le business. C'est quelqu'un qui va te faire le business et elle a vraiment la facilité de toucher l'argent. Alors qu'il y a le temps de finir les études, d'attendre. Mais il y a des gens, une fois qu'il finit, il a un emploi, ça marche bien, il fait une grande carrière. Donc je pense qu'on doit quand même essayer de trouver un bon système où. On a un programme éducatif qui prône l'entrepreneuriat. Comme ça, on a des coachs comme vous qui peuvent venir coacher, parler de ça à l'école, dans des universités. Et ça ouvre l'esprit des jeunes. Et on peut voir que, parce qu'aujourd'hui, les jeunes pensent que l'entrepreneuriat, comme vous avez dit, c'est seulement commencé en grand. Tout le monde veut aller à Dubaï, en Chine, en Turquie, faire de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas mal, mais sauf qu'il y a tellement de domaines, il y a tellement d'endroits où on peut investir. Voilà, mais, tout le comme... premier, mais le premier souci, c'est d'abord la réglementation aussi. Oui, comme ça le aussi. Coach le disait tout à l'heure, comment un expat peut devenir un petit revendeur. Mais moi, je pense que c'est parce grossiste. Que nous aussi, on est paresseux. Désolé, mais le Congolais aussi est un peu paresseux. Il y a des choses, aujourd'hui, je trouve, comme vous dites, on n'a pas de marque. On ne veut rien faire. J'ai l'impression qu'on attend toujours que les autres créent.
C'est pour ça qu'eux, ils se permettent. Parce que comment nous, on va aller, nous, on va pas aller dans leur pays et commencer à créer des choses. Il y a déjà, même les cures, vous imaginez que même des petites choses, on n'a pas. Il y a, tout le monde veut faire les grandes choses. Comme vous avez dit, tout le monde veut faire des grandes choses. Alors que personne ne veut commencer par le macala. Mais aussi, le problème, c'est au niveau où les entrepreneurs ne savent pas se mettre ensemble, dans des réseaux. Vous savez, lorsque vous êtes dans des réseaux, ça vous permet d'avoir comme une forme des syndicats. Exactement. Moi, ça fait beaucoup d'années que j'ai œuvré seul. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'adhère à une fédération des entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis en train de prôner. Parce que ça, là, on peut aujourd'hui faire asseoir les députés et les autres pour... Les textes existent en RDC, mais c'est l'application de ces textes. Alors, il faudra les revendiquer parce qu'on ne va pas vous donner cadeau. Parce qu'il faudra savoir qu'il y a quand même des gangolos derrière ces Libanais-là. Oui, c'est vrai. On se les dise. Oui. Parce qu'en fait, la politique influence tout dans notre pays. Ce qui est mauvais. Malheureusement, oui. Parlant même de la politique, ou plutôt de la promotion de l'éducation en RDC. Nous, on nous forme au Congo pour être administratif, pour être demandeur d'emploi. Oui. Exactement. Ça, c'est un problème. Il faudra qu'on change. Parce qu'en fait, lorsque vous apprenez l'entrepreneuriat tout en étant mokolo, vous avez beaucoup de problèmes. Moi, je rencontre des entrepreneurs qui vont solutionner à un problème qui existe à Kinshasa, mais qui veut avoir un bureau à Gombe. Mauvais casting. Très mauvais. Moi, je vends les Pondou. Moi, je vends la Chikwang. Je vends Bakoni. Je vends tout ce qui est les Michili et autres. Je viens faire quoi à Gombe? J'en ai pas besoin. Ça, pas et puis là où besoin. Il y aura vraiment tes clients, c'est ce côté-là. La coordination décentralisée aussi, les bureaux, parce que je remarque que tout le monde est tellement concentré au centre-ville. C'est un problème. Non, et il y a un bureau aussi, tu fais si ta cible des personnes, c'est Tchango, c'est par exemple Galima. Je vais avoir un bureau là-bas. C'est là vraiment que les entrepreneurs ont besoin de coaching. Oui. On n'a qu'à te dire. Moi, beaucoup de personnes ne comprennent jamais. Pourquoi je ne loue pas un bureau à Gombe? J'ai dit, bon, moi je suis agripreneur. Je viens à Gombe peut-être pour former les gens, animer des conférences, mais je pense que moi, mes clients, c'est chaque samedi que je dois vendre mes pondous à Njili, à Kinshasani, à Mikondo. Alors, ça, donc, ça si va tu pour dois moi. Avoir un bureau, ici, ça me servira à quoi? Gombe ici, les gens sont trop concentrés dans leur maison, ils cherchent des alimentations. Bisous, tout est pour nous en vrac. Voilà. Les vrais clients sont les personnes qui consomment tous les jours. Exactement. Qui veulent, voilà, ils n'ont pas l'argent pour aller au supermarché. Et puis, il faut les orienter. Que, oui. Ça, c'est vrai, tout le monde en a. En fait, je trouve que c'est un peu. Je ne sais pas si c'est un petit complexe. C'est un complexe. Voilà. Tout le monde, quand il devient entrepreneur, il veut avoir un bureau à Gombe, dans des endroits où. On a mal compris l'entrepreneuriat. Oui. Et pendant ces temps, il faut se permettre ce que l'on peut. Des dépenses inutiles. Et, c'est ça. Et les gens sont étonnés qu'il y ait beaucoup de gens qui ont bien commencé. Oui. Beaucoup d'entreprises qu'on a connues. Parce qu'on veut paraître. On veut que ça existe encore. Parce qu'on veut déjà, paraître. Déjà, l'espérance de vie d'une entreprise au Congo, des startups, c'est moins de 3 ans. Waouh! Carrément. On a la preuve. Donc, si tu dépasses 3 ans, c'est que tu as. Tu es dans les bons. C'est que tu. Voilà, tu as quand même mûri. Okay. Est-ce que vous savez que nous avions des entrepreneurs en RDC qui ont des produits où ils investissent ce qu'on appelle le coût de production de leurs produits là. C'est par exemple à 2000 francs par produit, mais lui, il les revend à 1500. Tout justement parce qu'il a besoin que son produit soit dans des supermarchés. Oh là là. Waouh. C'est très mauvais. Non, lui-même ne sait pas qu'il est en train c'est de faire. C'est très mauvais, très mauvais. Parce que le supermarché des Libanais, il nous impose les prix. Oui. Ils vous disent ce que vous avez ramené, ramenez-nous autant de produits et tout ça, mais nous allons prendre ça à tel prix. On vous impose un prix sans pour autant savoir c'est quoi le coût de production que vous avez investi dedans. Tout ça là, ça demande un coaching. Pendant ces temps, tu as leurs produits à eux qui coûtent cher. Voilà. C'est pourquoi je vous dis que le coaching entrepreneurial, c'est la base. C'est la base. Des mentors entrepreneurs doivent avoir la connaissance. Aussi, il faut dire à un entrepreneur qu'il y a la déclaration fiscale qui existe. Quel est le lien ou quel partenariat que tu peux avoir avec l'État congolais, avec la DGI par exemple. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs qui déclarent leurs impôts et tout ça, là? Ça aussi. Pas du tout. Donc, c'est ça. Et donc, quand on parle de coaching entrepreneurial, ce n'est pas être dans des conférences pour dire justement que je suis entrepreneur. Non, il faut sérieusement orienté. Nous avions des coachs qui ne sont pas connus. Nous, on n'est pas tout le temps à la télé, mais on veut avoir des résultats. Ouais, exactement. On veut avoir des entrepreneurs qui connaissent au moins ce qu'on appelle la déclaration en douane. Si vous êtes importateur ou exportateur, comment tu vas procéder et tout ça. Moi, c'est des vraies questions qui m'intéressent. Donc voilà. D'accord. En tout cas, chers téléspectateurs, je vais laisser le numéro du coach. Comme ça, si vous avez fait des coachings à domicile, et oui. sort ou
par téléphone, vous avez un coach avec vous. Alors, coach, là, on a parlé de tellement de choses. Je crois qu'on a feuilleté, on a parlé de toutes les grandes lignes possibles. Alors, est-ce que vous avez des exemples? Moi, je vous ai tellement entendu parler, je me suis dit, est-ce qu'il y a un exemple des personnes que vous avez eu à coacher, qui ont réussi dans ce qu'ils font, les personnes que vous avez aidées? Vous avez quelques exemples ou un exemple et tout? Comment vous êtes senti après, à chaque fois que vous coachez des personnes, si ça marche bien? Ouais. Voilà. Nous aussi, on aime un peu les tambours, ça, de temps en temps. Ouais, des petites histoires comme ça. La semaine ici, j'ai été béni cette semaine même. Ok. J'ai reçu un watch de Apple, Venadine après Nantes, qui aujourd'hui qui est dans l'agro-business, qui investit. J'ai reçu encore une autre bouteille de vin, Venadine après Nantes. C'est-à-dire quoi en fait? Nous voulons avoir des entrepreneurs sérieux, ceux qui quittent d'un cas A à un cas B. Oui. C'est-à-dire, moi j'ai des exemples. Au niveau de la fédération, il y a beaucoup de gens qui viennent là-bas, qui ne sont pas souvent sur les réseaux sociaux. J'ai, par exemple, je vais citer un de mes apprenants, Machiavel. Okay. Lui, c'est Kito. C'est un ingénieur agronome. Il a fait l'agronomie à l'Imikine. Bac plus 5. Wow. Mais il ne savait pas comment s'y prendre sur le terrain. Moi, je lui ai appris l'agro-business. Donc, j'ai le fait quitter de la technicité agricole au business, en fait. Je lui sais que tu le fais là. Tu as la connaissance, mais voilà ce qu'on peut faire sur le marché. Aujourd'hui, il a mis en place une écloserie. Il a commencé à faire ce qu'on appelle l'insémination artificielle de poissons. Oh, vraiment? Et quand il a gagné son marché, il est venu me voir. Il y a tant d'entrepreneurs comme ça qui viennent surtout en agro-business. Mmh. Il y en a plein. Et j'ai d'autres qui sont dans les numériques. De temps en temps, je reçois des messages et tout. Ce qui a fait que nous sommes maintenant dans la coordination de la fédération parce qu'on a fait preuve. Il y a quand même des gens qui viennent. Nous avions organisé avec des amis une formation gratuite de 5000 jeunes, 3 éditions à Kinshasa, sans appui. On l'a fait et moi, j'étais dans l'expertise agro-business. J'ai accompagné. Et présentement, je vais même vous parler d'un programme que j'ai mis en place qui a déjà débuté. Tellement que mon entreprise a quand même ses propres terrains, des hectares. Nous avions l'expertise en termes de formation. Nous avions lancé l'académie de l'agriprenariat. On veut former des entrepreneurs agricoles. Et ces programmes se passent pendant 3 mois. C'est qu'on vous forme en agriculture, élevage et ce qui va avec. On vous forme en entrepreneuriat, développement personnel et à la fin, on vous donne 1 hectare pour champ expérimental d'une année. C'est carrément l'incubation. Oui. Je t'apprends sur l'agriculture, les affaires, l'entreprise. Et je t'offre un hectare que tu commences que tu même commences, ton entreprise. Oui. Je t'amène à la formalisation de ton entreprise pendant une année. Et puis tu avances. Ça, c'est de projets à impact visible et durable. Voilà. C'est ce que nous voulons en réalité. Donc, c'est de vrais exemples que je peux donner. Bravo. Merci en tout cas, bravo coach. C'est très très bien. Applaudir. En tout cas, j'espère que Dieu va continuer à vous accompagner dans ce que vous faites et qu'un jour peut-être vous aurez des grands et des vrais appuis. Parce que c'est vrai, c'est des projets comme ça que le gouvernement, notre État doit appuyer. Mettre en lumière. Mettre en lumière parce que c'est ça. Parce qu'on s'est plaint des jeunes, on s'est plaint de toutes ces délinquances, tout ce qui va avec. Ceci parce que les jeunes n'ont pas ce soutien-là. Sont perdus, sont... Ils sont vraiment pas orientés. Voilà, orientés comme on dit. Et moi, je pense que le coaching business devrait vraiment être un programme éducatif. Comme ça, ça permet à toute personne qui, voilà, moi, je ne veux pas faire des longues études. Mais voilà, on a carrément un coach qui vient donner cours, qui vient expliquer dans plusieurs domaines. Là, par exemple, je pense que c'est comme à l'université. Ok, aujourd'hui, on va parler de, pour ce mois-ci, on a ça. On a tel coach dans tel domaine. Et ça vous coach comme ça, les jeunes, ils savent, voilà, ok, moi, avec ce qu'on a dit, je pense que j'irai plutôt dans ce secteur-là. Moi, j'irai, et puis exploiter les secteurs qu'on délaisse. Aujourd'hui, tout le monde veut faire médecine, droit. Ce n'est pas mauvais, hein. Excusez-moi toutes les personnes qui ont fait ça. Mais c'est juste qu'on oublie que la RDC est très riche. Surtout côté terre. On a encore nos terres qui sont inexploitées. On va aller dans tout ce qui est fleuve, rivière. Voilà. Pas du tout exploité. Je ne veux même pas aller dans les énergies. Tout ce qui va avec. Vous voyez un peu. Donc, c'est tellement de choses qu'on peut faire et on laisse ça aux étrangers. Et après, on va se plaindre que les étrangers s'y font de l'argent. Ils ne sont pas sorciers. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Exactement. Hein. Mais c'est juste qu'ils ont compris quels sont les secteurs. Eux-mêmes, ils nous ont étudié. La RDC est riche d'air. Très riche. Voilà. Donc, on va aller là-bas. Et c'est ça. Et ne vous étonnez pas si dans 5 ans, 10 ans, on retrouve des étrangers en train de faire de l'agronomie. Non, mais aujourd'hui, il y a des Chinois qui ont déjà acheté.
chez moi à Maluku là-bas. Vous savez, il y a des réglementations. C'est ce que j'ai dit, les entrepreneurs doivent avoir les informations. Oui. L'État congolais a ratifié aux traités internationaux qui exigent certaines choses. Et nous, en RDC, en termes de l'agriculture, on a demandé à chaque pays en sous-développé, je dirais, comme le nôtre, par exemple, on est en voie de l'émergence, c'est ce qu'on veut avoir, ok? Mais on nous exige de planifier ou de réserver 10% de notre budget que dans l'agriculture. Voyons les budgets de la RDC. Ah. L'agriculture à combien de pourcents? Comment est-ce qu'on peut être un pays sérieux? On s'est dit, nous sommes sérieux. Nous donnons des palissades des 67 000 dollars à 500 personnes qui ne foutent rien à l'hémicycle. Mais on ne sait pas donner ne fût-ce que 10 tracteurs aux entrepreneurs qui ont ne fût-ce que des terres. Les matériels, tout ce qui va avec. Nous, ce que nous demandons, c'est quoi? Par exemple, nous sommes jeunes. Très jeunes que nous sommes. Nous avions une entreprise qui est mise en place, nous formons gratuitement, nous avions minimum de 100 hectares. Mais nous n'avons même pas un tracteur. Et lorsque vous allez demander, on vous fait ça, 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 des appartenances politiques, il faut être dans un parti. On ne veut pas ça. Soutenir les jeunes, c'est très dommage. Ça, c'est compliqué. On veut avoir la revanche du sol sur les sous-sols. Comment on va l'avoir? Si on ne sait pas l'avoir comme ça, ça sera compliqué. Hier, j'étais dans une conférence à Kitambo. J'ai posé la question, il y a des entrepreneurs de jeunes qui m'ont posé la question, coach, quels sont les secteurs qu'on peut aussi investir et tout. J'ai dit, mais comment vous pensez qu'en RDC, il n'y a pas des secteurs où vous pouvez investir? J'ai posé une simple question dans l'assemblée. Si aujourd'hui vous voulez déménager, quelle est l'entreprise de déménagement que vous allez appeler? Ah, il n'y en a pas tellement. Hein. C'est pas un marché? C'est un marché à prendre, totalement. C'est le marché de services. Les services en RDC, c'est encore zéro. Oui, c'est vrai que c'est... C'est très compliqué. Il y a tellement à faire. C'est pourquoi un entrepreneur a un secret. Étude de marché. Oui. Regarde ton terrain. Qu'est-ce qui manque dans ton environnement? Ah, et c'est quoi la solution que toi, tu vas apporter? C'est bon. Donc, voilà. Tout. Merci. Coach Prisca, des questions? Ça va? Non, alors, moi, pour la dernière question, parce que franchement, vous avez dit tout ce qu'il fallait. Hein? Une dernière question avant de finir avec la table ronde. Comment maintenez-vous la motivation et l'engagement de vos clients entrepreneurs tout au long du processus du coaching? Parce que j'avoue qu'il y a vous avez des clients quand même difficiles ou qui, à force d'avoir peut-être eu des moments d'échec, comme on dit, enfin, ils ont tellement essayé que ça ne marchait pas, peut-être ils sont découragés, tout ce qui va avec. Comment vous faites? Voilà. Je vais donner un exemple concret. J'ai une dame qui est entrepreneur aussi. Sur Twitter d'ailleurs, elle a écrit Bakaji Design. Donc elles sont, si vous écrivez, vous allez voir, c'est des femmes menuisières. Ouais, je les ai orientées dans la menuiserie moderne. Et là, elles ont beaucoup de marché. Et leur patron, leur boss, à chaque fois que je l'accompagne, si elle a un résultat négatif, elle t'appelle. À un moment, elle ne t'appelle pas coach. Tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle t'appelle parfois à minuit, mais tu veux abandonner, pourquoi? Ou non, j'avais utilisé l'argent et tout ça, j'ai fait. J'ai dit, mais attends, les vrais soucis avec plusieurs entrepreneurs que je rencontre, et même son souci, c'est quoi? La gestion des ressources financières personnelles et celles de l'entreprise. Vous savez, si vous commencez votre petite entreprise et que vous vous dites que moi, je mange que... Dans ça, ça sera compliqué. Lorsque vous commencez l'entrepreneuriat nouvellement, ayez aussi d'autres ressources. Parce que là, vous mettez votre entreprise en danger. Vous soutirez que dès là, l'entrepreneuriat demande de l'engagement, demande de sacrifices. C'est pourquoi moi, je pose toujours la question. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la guerre à l'Est? Oui, je connais. Bon, est-ce que vous êtes prêt à aller combattre? C'est ça l'entrepreneuriat en RDC. Il y a trop de crocs en jambes, il n'y a pas de facilité. Le climat des affaires n'est pas facile, les terrains glissants. Et il y a des clients qui nous cassent la tête. Aujourd'hui, moindre résultat négatif, coach Anaza Mouibi, coach Openza. Ah, nous on souffre. Nous on souffre. Parce que tu leur dis, mais tu sais que quand tu investis, il y a deux résultats. Soit c'est les résultats positifs, soit c'est négatif. Mais généralement, les entrepreneurs ne sont pas capables de supporter les chocs. En fait, ils sont prêts à prendre des risques, ou d'autres hésitent à prendre des risques, ou ils prennent, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir des conséquences. Voilà. Vous avez dit positif ou négatif. Ça fait partie quand de la vie. Quand ça arrive, je vous dis, vous aurez des messages de voir plus. Voir plus. On fait
toute une litanie comme ça parce qu'il y a des résultats négatifs. Mais ils oublient aussi qu'aujourd'hui, on en vit beaucoup de ces personnes qui ont réussi, même à l'étranger, même ici, on a plusieurs entrepreneurs qui sont des grands hommes d'affaires. Mais attends, c'est des personnes, moi, pour avoir assisté à quelques conférences avec ces grands hommes d'affaires ou ces femmes d'affaires, elles ont dit qu'elles n'ont pas commencé, c'est pas qu'une fois. Elles ont eu à, comment dire, à baisser les bras des fois ou elles ont eu à tomber plusieurs fois. Mais après, comme on dit, tu peux tomber 1000 fois, il y aura toujours une fois qui sera bonne. Donc, elles n'ont pas baissé les bras, comme vous avez dit. Donc, pour vous qui entreprenez, pour vous, chers entrepreneurs, donc, les coachs sont là pour vous guider. Mais ils ne sont pas des génies non plus. Dans ça, c'est pas... Ils ne vont pas se dire, OK, ils vous aident, ils vous donnent des conseils, mais les marchés, comme on dit, notre marché est très glissant. Donc, vous faites avec les conseils, ça peut aller tout comme pas, mais ce ne sera pas la faute du coach. Ce sera juste peut-être que ce n'était pas le bon moment où vous avez pas... Comment dire? Peut-être que c'est toi qui as mal exécuté le principe. Exactement, ça peut être ça. Tout comme aussi, tu arrives à un moment où qui n'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas se mentir. La période de Covid qu'on a passée. Donc, les personnes qui ont essayé d'entreprendre pendant ce moment-là, ce n'est pas évident. Ouais. Beaucoup, même certains qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat, beaucoup ont eu à baisser des entreprises. Ce n'est pas la faute de coach. Ils vont vous aider, mais il faut se dire que c'est des risques qu'on prend. Quand on prend des risques, il ne faut toujours pas s'attendre à ce que ça soit... OK. Mais il y aura des moments où on va tomber, tout ça. C'est fait partie de la vie. Hein. La vie est faite des... On ne connaît pas les nombres de fois où nous, on plaire en privé. Moi, je suis entrepreneur, je vous dis, surtout dans mon secteur là, lorsqu'il y a eu l'histoire de Mobondo. Oh là là. Vous ne savez pas, nous qui sommes au plateau, vous ne savez pas combien de fois on plaire. Yeah. Combien de fois on a voulu abandonner, mais vous le faites en privé. Yeah. Vous savez, si vous avez l'image à conserver, vous êtes un leader et que vous êtes censé motiver et encourager les autres et que c'est votre tour maintenant de vous motiver vous-même, je vous dis pas. C'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est, là, c'est des nuits blanches. Mais tu es obligé d'être devant les gens, leur dire, ça va marcher. Ah, là, c'est pas facile. Moi, je pense qu'il faut aussi, comme vous avez dit au début, il faut aimer ce qu'on... En fait, faut être passionné. Il faut être... Parce que quand on aime ce qu'on veut faire, peu importe ce qui se passe, on sera toujours motivé. On aura toujours cette petite voix, cette petite quelque chose qui me dira non, non, ne baisse pas les bras, tu y crois et croire en ce projet. Donc, tu vois aussi, et puis être réaliste. Tu ne vas pas faire un projet que tu sais déjà à l'avance que ce n'est pas possible. Mais fais quelque chose, comme on l'a dit, étude du marché, prends quelque chose de super réaliste dont tu sais que peu importe les moments difficiles, les marchés viendront. Et qu'il y aura aussi des moments où il n'y en aura pas, il y en aura, mais il faut faire avec et garder espoir. Je pense que c'est ça. Oui, et surtout ne pas s'engager dans ce domaine-là en se disant, je commence aujourd'hui, je deviens riche demain. C'est la mauvaise motivation. Oui, et ça, on aime ça. Face ça, à ce genre de difficultés, ça, c'est vraiment congolais. On a tendance à abandonner, On aime bien, en fait, on veut que les choses viennent rapidement. Aujourd'hui, les gens sont pressés. Ils veulent d'un coup avoir de l'argent. On voit ça même chez les jeunes, pas seulement dans l'entrepreneuriat, mais dans tous les domaines. Les gens veulent vite la vie. Un bon yambango, facilité, un salicope, il faut balamon quoi, 2000, 3000 dollars. Alors que dans certains domaines, comme l'entrepreneuriat, la patience doit être vraiment ta plus grande qualité. Et tout. Si je me trompe, je ne sais mais pas. Mais la patience, déjà, moi, c'est l'agriculture qui m'a appris à être patient. Oui. Quand tu fais les maniocs pour une année, tu vas pas attendre, tu vas pas être pressé. Ça t'impose quelque chose. Donc, la passion, si tu n'es pas patient, tu n'es pas persévérant en même temps, tu vas abandonner. D'ailleurs, ça me pousse à vous poser une question. Quelles sont quelques qualités que vous pourrez conseiller, à part la patience qu'on a citée, à ces entrepreneurs, les personnes qui veulent entreprendre, en tant que coach, quelles sont les qualités essentielles pour un bon entrepreneur? Avoir un esprit calme. Peu importe ce qui va arriver, dites-vous simplement une chose. Avoir une certaine maîtrise. En fait, la maîtrise, là, moi, je dirais que chacun doit se ressourcer quelque part. Moi, j'ai mes ressources de la Bible. Moi, je l'ai dit clairement. Je sais qu'aucune tentation va survenir, sera au-delà de ma force. Quand ça m'arrive, je me dis, Seigneur, le corps ici, c'est l'enveloppe, ça a mal. Mais je sais que l'esprit n'est pas touché. Je sais que la même force que j'ai utilisée hier pour avoir ces résultats, je suis capable de l'utiliser encore pour demain. Parce que vous ne savez pas le nombre de fois où j'ai envie d'abandonner. Mais après, je me dis, c'est trop tard. Et avec mes coachés, souvent, je leur dis, et si t'es Botama déjà? Donc, il faudrait d'abord avoir l'esprit calme lorsque ça vous arrive. C'est là que vous aurez la facilité de discerner et d'évaluer quand ça arrive. Mais si vous êtes dans les émotions, s'il vous plaît, n'entreprenez pas. Si vous êtes dans les émotions, vous risquez de mal parler aux gens,
vous risquez d'être trop impulsive et ça c'est pas intéressant. Donc parmi ces qualités là, soyez persévérant, alors persévérant, mais évaluez-vous à chaque étape de votre vie entrepreneuriale. Je viens de A jusqu'à B, qu'est-ce que j'ai fait bien, qu'est-ce que j'ai mal fait. Vous arrivez à C, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait. Exactement. Si vous vous évaluez mutuellement chaque jour avec vos collaborateurs, je pense que vous arriverez quelque part, mais n'abandonnez jamais. Et si tu es beau, t'as moi. Merci en tout cas. Donc on va retenir la persévérance, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions et la patience. Et la patience. Sont les grandes qualités que notre coach nous a conseillées. Voilà, nous donne comme conseil ou demande à un entrepreneur d'avoir de cultiver comme qualité. Merci. Je pense qu'on va mettre fin à la table ronde. Merci beaucoup. C'était très intéressant avec toutes les questions que j'espère en fait vous a permis, vous, chers téléspectateurs, de comprendre un peu les secteurs de l'entrepreneuriat, pourquoi vous avez besoin d'un coach. Donc, j'espère que dès maintenant, vous allez prendre, vous allez chercher des coachs, essayer d'avoir un peu des guides, des coachings comme ça. On a notre coach, j'ai cité son nom. Je vais recommencer en entièreté, comme ça, je pense que vous allez le suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, monsieur Donnel Dekila Mumpe. De toute façon, son nom est affiché juste en bas et tout. Donc, vous pourrez le chercher au cas où vous avez besoin de conseils dans l'entrepreneuriat et divers domaines. Exact. Voilà. Merci Prisca et tout pour tes commentaires et tout. Merci chers téléspectateurs d'être restés jusqu'à la fin. Là, nous allons donner les conseils du jour, comme je l'ai dit. En tant que notre invité, en quelques minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes entrepreneurs ou à ceux qui ont des idées? On ne va pas dire projet. Le coach a dit c'est des idées. Ça devient projet quand on les, on les met sur papier ou quand on commence déjà. Donc, pour ces personnes qui ont des idées, qui veulent commencer mais sont perdues, et à ces jeunes, voilà, on a beaucoup qui viennent de finir, qui veulent peut-être pas faire des études, mais qui veulent entreprendre, tout ça. Quels conseils pourriez-vous donner à ces personnes? Alors, ce que je dirais à chaque jeune qui veut entreprendre, sachez que tout le monde peut entreprendre, mais tout le monde ne doit pas devenir entrepreneur. Sachez d'abord c'est quoi votre vocation. Si vous êtes appelé à être entrepreneur, alors allez-y, apprenez. Ne vous lancez jamais dans un secteur où vous ne maîtrisez pas. Faites des formations qu'il faut, faites-vous accompagner par des experts, faites-vous accompagner par des coachs, afin que vous ayez des résultats palpables. Alors cherchez à créer des marques qui vont rester à jamais. Même lorsque vous ne serez plus vivant, ces marques-là doivent exister. Et n'investissez pas pour vous-même en tant que la personne qu'on parle de vous, de votre nom, mais le nom de votre entreprise doit être mieux connu que vous. Que les gens ne vous connaissent même pas. Moi, c'est après 30 ans d'existence que j'ai vu le visage de messier Lédia. Mais je connaissais qu'il y avait un investisseur pareil, un homme d'affaires. Messier Lédia, plusieurs personnes ne le connaissent pas. Alors, c'est après 30 ans que j'ai vu. Mais c'est l'impact sur terrain. Alors, ces messieurs m'inspirent beaucoup. Donc, soyez toujours persévérants. Donnez-vous à fond, mais surtout, priez Dieu. Merci. Amen. Merci en tout cas. Très bon conseil. Je pense que nos chers téléspectateurs ont noté. Et j'espère qu'ils vont retenir vos conseils et vont appliquer ce que vous avez dit sur ces plateaux. Merci. C'est la fin de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux, La Congolaise 2.0, Facebook, Twitter, Instagram. Suivez-nous chaque week-end, samedi à 19h35, ainsi que dimanche à 19h35 sur Congo Buzz TV. Nous avons des liens aussi également disponibles sur YouTube chaque lundi et durant toute la semaine, les rediffusions pour ceux qui n'auront pas l'occasion de suivre ce week-end. Portez-vous bien, passez une excellente soirée, bon week-end à vous. Prenez soin de vous, à la prochaine.